parrainage en qualité de maire de la ville 2 avec l'adjudant-chef Souchet, commandant de la vedette côtière de surveillance maritime l'Isère, sous l'œil bienveillant du délégué général de l'Association des villes marraines des forces armées, M. Moubirian. Après la célébration religieuse, suivie du temps de recueillement en présence des autorités civiles militaires, des anciens combattants, des enfants de la classe de CM2 de l'école Brosséliande, de leur maître, nous voici réunis maintenant par ce parrainage qui va engager nos deux entités pour un pacte. Ce parrainage se définit comme un rapport privilégié entre notre collectivité, sa population d'une part, et ce bâtiment de la marine confié à la gendarmerie maritime. Les personnels de l'unité opérationnelle sont déjà allés à la rencontre de nos élèves de CM2 de l'école élémentaire hier après-midi, sachant qu'ils ont travaillé en groupe avec les membres d'équipage, que ce soit sur le bateau ou sur le quai, tout près du bateau. Les enfants ont fabriqué une fresque de près de 4 mètres pour évoquer le plaisir de cet échange, le plaisir de cette rencontre. Le bâtiment l'Isère est en service depuis février 2004. Il intervient sur des missions à la fois de police générale côtière en mer, de police juridique, administrative, militaire. Il intervient sur des problèmes de pêche, de navigation, de défense maritime du territoire et de lutte contre les trafics. Nous souhaitons longue vie à cet échange, qu'il soit pourvoyeur de rencontres, de joie de vivre, de découverte des autres, d'espérance, donc de joie partagée. Merci. C'est ce navire que vous parrainez, qui appartient à la Marine nationale et qui mille pour emploi également pour nos bonnes œuvres sur l'eau. L'Isère, c'est une vedette de gendarmerie maritime, mais c'est aussi une rivière du Nord, de 46 km de long, qui prend sa naissance effectivement dans le département du Nord et qui finit en Belgique. Et c'est aussi, pour les anciens combattants, et surtout le nom d'une bataille, la mêlée des Flandres, qui du 18 au 27 octobre 1914, a consisté à noyer la contrée de Nieuport à Dixmude. Le réseau d'inondations mis en place par les soldats belges et français tiendra jusqu'en 1918 pour être franchi par les alliés. Alors ce nom de l'Isère nous rappelle le sacrifice de nos parents, de nos grands-parents, et par son bord, nous honorons le souvenir de nos poilus. Enfin, être ou ne pas être, la question demeure toujours. Trois manches. Mais être Isard à eux, je pense que les gens du prix vont comprendre, les Corselis, la longévité en prime, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci. Les 146 autres collectivités marraines sont très honorées et fiers d'accueillir aujourd'hui la ville de Saint-Florestin, des collectivités territoriales qui ont le privilège de parrainer une unité opérationnelle des forces armées. Il faut savoir que la tradition de parrainage de navires de guerre est aussi ancienne que les grandes maladies militaires du monde. En France, selon les historiens, cette tradition remonterait à l'époque de Charles VI, mais ce n'est que sous Louis XV que des villes et des états de province financèrent, et donnèrent naturellement leur nom, à des navires qui devaient constituer la grande flotte de Louis XVI et que malheureusement, la Révolution allait être démantelée. Aussi était-il bien naturel que, fidèle à cette longue tradition, eux, conduisent à parrainer une unité opérationnelle de la Marine nationale armée par la gendarmerie maritime, la vedette côtière de surveillance maritime, l'Isère. Commandant, la nation vous a confié la responsabilité d'un instrument militaire dédié entièrement à la police de la navigation, à la sécurité des navires et aux missions de service public dans le cadre de l'action de l'État en mer et donc au service de la paix. Un honneur ainsi de vous inviter à parapluer ensemble ces chars
qui consacre solennellement le lien de parrainage que vous unit désormais et dont l'association des villes marraines s'attachera à être le témoin attentif à l'avenir. Nous, Gilles Souchet, adjudant-chef commandant de la vedette côtière de surveillance maritime Isère. Et Marie-Françoise Gaouillère, maire de la ville d'Eulsen-Maritime. Sont heureux et fiers ce jour 2 février 2013 de pouvoir apposer nos signatures respectives sur ce parchemin, officialisant ainsi le parrainage de la vedette côtière de surveillance maritime Isère par la ville de. Merci. Deux chevilles ouvrières et de cette opération ici au sein de la mairie, c'est Madame Lecomte, par le fait de son poste à la commune et a tenu à mener les affaires de bout en bout, et puis de la personne en tant que conseillère municipale qui avait été déléguée par le conseil municipal lors de ce vote en 2011, Madame Thérèse Duneuf-Germain, dont je crois qu'on peut les applaudir. Merci beaucoup, Madame. Et puis, finalement, je ne sais pas quoi vous voulez dire, parce que et ça faisait un bouchon, pas des yeux. Je vous remercie. Il aura une belle place. Merci. Ça, c'est bon, je porte. Bon, voilà, un navire sur lequel je n'ai pas encore navigué. Je vais l'essayer quand même. Je vais l'essayer dans mon bain. Là, il n'y a pas de problème. Peut-être que vous trouverez une place sur votre bureau. Mais il a été réalisé par un de nos amis belges, grand verrier, et qui s'appelle Louis Leleu. Alors là, le parrainage, c'est pas mis en place.